Bonjour à tous, voici une recette très facile et rapide à réaliser, le feuilleté aux framboises et mascarpone. Pour ma part, j'ai acheté une pâte feuilletée rectangulaire, je trouvais ça plus esthétique et j'ai ensuite replié les bords. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre un peu de sucre sous les bords de la pâte, puis vous repliez par-dessus. C'est ensuite une feuille de papier cuisson sur laquelle vous allez placer un poids dessus, pour éviter que la pâte gonfle au centre. Par contre, attention, laissez les rebords quant à eux gonfler. Ils doivent être dégagés. Concernant la cuisson, vous suivez les instructions notées sur la boîte de votre pâte. Pendant ce temps, je mélange la mascarpone avec le sucre en poudre. Le but est d'obtenir un mélange avec une texture fouettée. Vous mettrez ensuite le mélange de côté. Puis on battra un œuf à la fourchette que l'on utilisera plus tard dans la recette. J'ai utilisé des framboises, mais tous les fruits sont possibles selon la saison, mûres, fraises, groseilles, kiwi, etc. Donc lorsque la pâte est cuite, vous la badigeonnez avec l'œuf que l'on a battu. Cette étape est très importante, elle permet d'imperméabiliser la pâte afin qu'elle soit croustillante, sans cela elle sera mouillée par l'eau des fruits et donc toute molle. On replace encore une fois la pâte feuilletée au four jusqu'à obtenir une jolie coloration, c'est-à-dire que l'œuf aura cuit et donc on obtient une jolie pâte dorée. Alors attention de bien laisser refroidir la pâte avant d'étaler la mascarpone, sinon celle-ci va se liquéfier. Vous pouvez ensuite placer les fruits que vous avez sélectionnés et arroser soit de miel, de sirop d'agave ou d'érable. Si vous utilisez des fraises, le meilleur allié, c'est le sucre en poudre. Vous pouvez aussi placer quelques feuilles de menthe et voilà, votre feuilleté aux fruits est terminée. Vous pouvez l'entreposer sans problème au réfrigérateur. Et vous trouverez aussi la liste des ingrédients en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt.